Le casting de la 12e saison de Danse avec les stars se précise de jour en jour. À l'approche de la diffusion, nous apprenons que Carla Moreau aurait finalement été évincée de l'émission Danse avec les stars saison 12. Le casting de la nouvelle saison se précise. Danse avec les stars est bientôt de retour sur TF1 pour une 12e saison. Cette année encore, l'émission va connaître quelques changements, notamment en ce qui concerne le jury. L'année passée, les candidats étaient évalués par Chris Marc, François Allu, Jean-Paul Gaultier et Denitsa Ikonomova. Ces deux derniers seront désormais remplacés par Marie-Agnès Gillot, danseuse étoile du Ballet de l'Opéra de Paris et Bilal Hassani, candidat de la dernière saison de DALS. Chez les danseurs aussi, il y a du renouvellement. Plusieurs d'entre eux ont décidé de quitter le navire, tels que Maxime de Rémé, Coralie Licata, Christian Millet et Joël Luzolo. Mais pas de panique, vous retrouverez Christophe Licata, Fovoto, Jordan Mouirac, Katrina Patchett, Elsa Bois et bien d'autres. Qu'en est-il des candidats? En effet, c'est la question qui taraude les téléspectateurs. Déjà, plusieurs noms ont été confirmés par la chaîne sur son compte Instagram. Danse avec les stars 12, Carla Moreau évincée de l'émission, fouleront le plus célèbre des parquets de danse de TF1, Billy Crawford, Florent Père, Léa et lui, David Douillet. Théo Fernandez et Eva Queen. On raconte que Kenji Girac aussi serait prévu. En effet, la petite sœur de Jazz Correia est la dernière en date à avoir annoncé sa participation à l'émission sur Instagram. D'ailleurs, la chef de la JLC Family lui a adressé un adorable message. D'ailleurs, en parlant de télé-réalité, une autre célèbre candidate était pressentie pour participer à DALS, Carla Moreau. En effet, le blogueur Jeff Lang de vite balançait. Bon, je sais qu'avec ses talents de chanteuse, vous l'attendiez sur TF1 dans la Star AC, mais c'est sur le parquet de DALS qu'on va retrouver Carla Moreau, même si la nouvelle avait été immédiatement démentie par le journaliste Clément Garin, les internautes gardent toujours espoir. Malheureusement, il semblerait que la jeune femme ait été définitivement évincée de l'émission. Visiblement, il y aurait du changement en raison de la diffusion de la bataille des clans à la rentrée. C'est un peu compliqué de la mettre sur deux chaînes en même temps, a confié le même blogueur.